Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir cette magnifique boîte. Alors c'est une Team Cube électrique. Alors vous avez déjà vu la vidéo d'ouverture de la Team Cube O. Et maintenant, il y a trois Team Cubes différentes qui sont sorties. Et maintenant, je vais ouvrir la Team Cube électrique et vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est une petite cube, vous pouvez trouver ça dans les magasins autour de 16 euros. Pour vous faire un ordre d'idée. Sinon, en ligne, ça peut aller jusqu'à 18 euros. C'est vachement bien plastifié. C'est du plastique assez rigide. Ah, alors, c'est vrai que c'est un format de boîte qui est un peu différent des autres coffrets. Voilà. Et ben, dites-donc, c'est vraiment plastifié dur et collé dur. Hop, je vais vous montrer toute la Team Cube. Je vais peut-être... Voilà, on aura un peu plus, un meilleur aperçu. Voilà, ce sont toutes les faces de la Team Cube. Alors, et elle contient, cette Team Cube, donc, trois boosters. Alors, ce jeton, déjà, jeton géant Pikachu. Hop, ça, c'est pas mal. C'est vrai que Team Cube est allé figer. Alors, je sais pas s'il y a des jetons différents dans chaque Team Cube ou pas. Et on a aussi trois boosters. Allez, avec du épée bouclier point de fusion EB08, épée bouclier évolution céleste EB07 et style de combat. Alors, je sais plus, c'est EB04 ou EB05, je ne me rappelle plus. Parce que 6, c'est reine de glace. Donc, on va prendre le booster le plus ancien, les amis, et on va ouvrir en premier épée et bouclier style de combat. Donc, bien sûr, comme vous avez l'habitude, vous avez déjà cette ouverture vidéo d'ouverture. Et puis, derrière, dans les jours à venir ou le lendemain, généralement, je vais mettre la vidéo d'analyse de cette ouverture, analyse statistique, qui vous fera un ordre d'idée. Et puis après, je pourrais faire un petit bilan parce que je vais faire les trois vidéos d'ouverture des trois Team Cubes. Et donc, vous aurez les trois vidéos d'analyse et derrière, un petit bilan pour voir ce que ça représente. Allez, hop, les amis. Le code pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent jouer en ligne, c'est gratuit, je vous le donne. Et on est parti pour ce premier booster, c'est épée bouclier, style de combat. Donc, je vais vous montrer. Alors, le petit logo, il est en bas à gauche. Et on commence par les cartes communes. Avec en premier, au soleil, 69. Viscuse, la 41. Larvadar, la numéro 17. Charby, la numéro 78. Et Oko, la numéro 59. Nosferalto, la numéro 90. On arrive aux peu communes avec Scorvol, la numéro 72. Vimessir, la numéro 120. Une énergie électrique, ça tombe bien. Et ensuite, Dryol, c'est une rare... Oh, une rare reverse, la numéro 119. Ah bah écoutez, premier booster. Alors, généralement, je suis pas super chanceux dans les coffrets, j'ai pas forcément des cartes super, super, ultra rares, mais bon. Et on a, oh, une holo rare, la numéro 82, d'Unaconda. Ah bah écoutez, premier booster, et une rare holographique, et une rare reverse. Bon, c'est pas mal, je vais y mettre là, c'est plutôt intéressant. Allez, on va attaquer maintenant. EB07 Évolution Céleste. Bon, c'est des éditions qui sont quand même assez récentes. Après, faut se méfier toujours, les amis, parce que si vous avez déjà un grand nombre de cartes de ces éditions, ces Team Cubes ne seront pas forcément intéressantes pour vous. Alors, le code pour le JCC Online, pour ceux qui souhaitent le récupérer, hein, pour ceux qui souhaitent jouer en ligne. Hein. Hop, le voilà. Alors c'est parti les amis pour ce deuxième booster, épée et bouclier EB07 évolution céleste, avec en premier Psychokvak, commune 24, après on a Furéglon, la 136, Soporifique, la 61, Flabébé, la 71, Paracool, la 129. Première peau commune, l'ombre, la 33. Oh, un dresseur rouleau du dragon volant 1000 points, la 153. Ensuite, Brésillon, la 139.
et une énergie. En reverse, on a Goupilou, c'est une commune reverse, la numéro 104. Bon, rien de spécial, et en rare. Oh, Aqualive Max. Oh, les amis. Oh, ce truc de fou. Alors, c'est une VMAX. Oh, elle est exceptionnelle. Regardez-moi cette image. Elle est exceptionnelle. C'est la numéro 30. Mais dites donc, alors là, par contre, je ne sais pas la cotation de cette carte. Ouh, là, 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 là. Là, ça va être intéressant. L'analyse va être intéressante, les amis. Je viens de choper Aquali VMAX. Oh, incroyable. Alors là, c'est top. Vraiment top. Je suis plutôt content. Là, c'est une sacrée ouverture. J'ai dit Aquali VMAX. J'ai une... bon, comparé à d'autres tin box ou d'autres coffrets qui n'étaient pas très, très terribles, j'ai aussi une holo et une rare reverse. Et il me reste encore un booster, les amis. Ouh, cette tin box, elle est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Et ça, c'est le dernier booster de cette tin box. Ouh, j'ai hâte de faire la vidéo d'analyse. Là, c'est top, top, top. Alors, c'est épée bouclier point de fusion avec en premier le code pour le JCC Online. Pour ceux qui souhaitent jouer en ligne. Voilà. Oh, alors là, je suis content. Parce que c'est pas une V simple, c'est une VMAX Aquali. Elle est vraiment belle. Allez, c'est parti pour ce dernier booster, les amis. Je vais décaler comme ça. Hop, c'est parti avec Galvaran. C'est la commune 98. Tournicoton, la 24. Moumouton, la 221, là il y a beaucoup de cartes, hein. 264 différentes, sans les ultra rares en plus. Gobou, la 62. Sabelette, 131. Et les peu communes avec Dispareptile, la 129. Chelours, la 151. Bleuzeille, la 220. Une énergie électrique. Et en reverse, une rare reverse encore! Et bah c'est deux dans ce coffret, dans cette tin cube, les amis, c'est top. Crustabri, la numéro 51. Bon bah écoutez, là je suis content parce que ça change un petit peu d'habitude. Et une rare classique qui est Kaorin, la numéro 145. Alors voilà les amis, cette tin cube est quand même plutôt intéressante comparée à l'autre tin cube que j'ai déjà ouverte. On verra, hein, on va faire une moyenne des trois après. Mais déjà j'ai pu avoir quand même deux rares reverse, une holo rare. C'est quand même pas rien. Et puis, parce que des fois on n'a qu'une rare reverse dans une boîte. Hein. Et aussi, cette carte magnifique, Aquali VMAX. Alors là, c'est super. Ça, c'est vraiment... c'est la carte numéro 30 de l'édition Évolution Céleste. Elle est magnifique. Voilà, les amis. Bah, écoutez, je vais terminer cette vidéo sur cette magnifique carte. Et puis, bah, rendez-vous dans l'analyse. Parce que là, ça vaut vraiment le coup. Vous avez le lien à la fin de la vidéo. Quand elle sera disponible, normalement, le lendemain. Mais ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Mais n'hésitez pas à aller voir l'analyse. Je sens que ça va être super intéressant à voir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.